Salut à tous les gars, c'est Drop Dead Boy! Et aujourd'hui, on se retrouve sur la map de Funnel Reich pour montrer l'emplacement de tous les atouts et surtout vous montrer où se trouve Masto parce que c'est la plus grande question que j'ai eue pendant le live de hier. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, déjà, je vais vous montrer où se trouve donc Quick Revive, donc réanimation rapide. Il se trouve simplement ici, donc c'est Leaf and Blitz. Leaf and Blitz, ça sera pour Quick Revive, donc ça sera directement quand vous arrivez sur la map au spawn. Et là, regardez, la nouvelle animation est juste énorme, moi je la kiffe. Petit coup de jus dans la main, genre boum, aïe, ça fait mal, ça pique. Allez, on va tout de suite au deuxième atout. Une fois que vous avez fini donc de mettre le générateur en route et que vous avez tué tous les zombies en feu, vous sautez dans le trou qui s'est ouvert là. Et juste en face, il y a l'autre atout. Donc c'est Love and Blitz, je crois. Love and Blitz. Donc c'est courir vite. Voilà, simplement. Voilà, Love and Blitz. Ça serait pour courir vite, tout simplement. Voilà. Pareil, l'animation sympathique, j'avais de l'argent alors j'ai profité, lol. Donc voilà, ensuite on va se retrouver dans la salle des commandes. Donc voilà, ça c'est Sleepy Teffy, donc on peut faire des dégâts accrus au corps à corps jusqu'à la manche 15, je crois, c'était Fallen Blitz. Voilà, ensuite on arrive ici, donc à côté du gros piège électrique là qu'on avait vu dans le trailer, le gros piège électrique. On arrive là et ça c'est Schnellen Blitz. Donc ça c'est juste rechargement rapide. Et juste à côté là où vous voyez où on est passé dans le piège électrique, il y a Shield Blitz. Et ça donc ce sera cerise électrique. Donc quand vous rechargez vous faites des dégâts électriques tout simplement. Donc voilà, on les connaît, hein. Je vous les montre juste les emplacements. Ensuite on va remonter, on va aller vers l'extérieur, vers la tour qu'on va devoir défendre après. Et là il y aura, il s'appelle comment celui-là, je vais vous montrer. Donc ça c'est double coup qui s'appelle Google Blitz, donc Google Blitz pour double coup tout simplement. Et je vais encore vous montrer où se trouve donc Masto. Donc Masto ne se trouve pas sous forme d'atout, mais simplement regardez, en fait il y a des armures un peu partout. Donc le Get Shield ça s'appelle. Donc c'est des armures, en fait vous prenez l'armure une première fois et en bas à gauche vous voyez sur votre logo donc de votre personnage, il y a des armures qui s'affichent. Et votre jauge de vie est autour, la jaune. Une fois que la jauge de vie est touchée, en fait vous perdez l'armure sous forme de dit marqueur blanc après. Et en fait, il suffit simplement de récupérer donc l'armure, donc qui va coûter de plus en plus cher, donc 500, 1000, 2000, 4000, 10 000 et etc etc. Donc voilà les gars, j'espère que ce tuto vous aura plu. C'était Drop Dead Boy, partagez, likez, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et moi je te dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bye bye.